Bonjour, je m'appelle Marie-Pierre Baudry-Bergeron, je viens de Bécancour, plus précisément du secteur Précieuse. Mes plus beaux souvenirs d'enfance, c'est vraiment de suivre mon père puis ma marraine dans toute la ville de Bécancour. Autant mon père qui était conseiller municipal que ma marraine qui a été directrice générale du Moulin Michel. Et moi, j'ai fait mon primaire à Précieuse. En fait, j'étais dans la dernière cohorte là, à faire sa sixième année à Précieuse. On était neuf dans l'école. Puis après ça, j'ai été au Collège Notre-Dame de l'Assomption à Nicolette, qui est un collège privé, pour finalement poursuivre mes études là, au Collège La Flèche en technique d'intervention en loisirs. J'ai été travailler un an dans l'Ouest canadien, puis mon père m'a demandé pour venir travailler pour l'entreprise familiale, puis ça a été quand même une décision déchirante, mais quelque chose qui me rappelait à Bécancour, je te dirais l'esprit de communauté, le fait d'aller dans les magasins, de rencontrer les gens dans la rue, puis de se connaître, d'avoir un lien de proximité avec ces gens-là, ça crée un sentiment d'appartenance qui est fort, puis qui fait que tu te sens à la maison quand t'es à Bécancour. Dans les gens qui m'inspirent dans la région, il y a Steve Brunel qui est très impliqué dans sa communauté puis fait rayonner beaucoup Bécancour, Nicolette Yamaska. Je trouve que dans la région, on a vraiment un bel équilibre entre la ville puis la campagne. On n'est pas très loin de Trois-Rivières, mais on a aussi tous les avantages du plein air. Puis il y a tellement de belles places à découvrir à Bécancour, à Nicolette. Je pense que c'est pour toutes ces raisons-là que n'importe qui devrait choisir la région.